Bon bah du coup je dis que j'allais retenter juste là comme ça pour peut-être vous montrer que c'est pas après 10 000 essais que j'ai fait ça. Donc bah on va voir. Donc là ça fait 2 heures que j'ai pas joué à Minecraft mais normalement on devrait pouvoir faire ça. Donc voilà, bon là ça donnait un peu rien. Mais vous avez compris du coup ce que je viens de faire. On va essayer de le refaire sur une map où on peut sauter directement. Parce que là ça donne un peu rien vu que comme ça on tombe. On a l'impression que ça me fait ralentir. Puis en plus là je l'ai un peu mal fait. Donc déjà on tue celui-là et on recommence. Je crois que sur cette map on peut le faire, genre on peut sauter de là à là. Ça peut être donc assez intéressant, tu vas te sauter, puis te faire un 360 comme ça. En vrai, c'est pas ultra rapide, mais juste que c'est trop rapide en fait pour le jeu. Qu'en fait, c'est simple, vous êtes comme ça, et voilà. C'était rapide, hein? C'est juste qu'une question d'entraînement à la sensibilité, et encore, moi en fait, j'ai un truc sur ma souris, parce que j'avais l'habitude de jouer comme ça, du coup je l'ai laissé, qui fait qu'en fait, plus je bouge vite, plus elle bouge vite, c'est qu'en fait, la sensibilité se change automatiquement en fonction de la vitesse à laquelle je la bouge. C'est-à-dire que si je bouge, par exemple, tout mon tapis de souris, ça va me faire même pas un 360, alors que là, si je bouge juste un peu mon poignet, bah ça fait presque un 360, enfin vous avez compris, plus je bouge vite, plus il y a la vitesse qui augmente, donc voilà. En vrai je pourrais le changer parce que du coup ça me ça m'embête quoi, ça m'arrange pas du tout, mais je le laisse parce que c'est marrant, et il est tombé, ok. Carré, tranche, ça n'a que des avantages, dormir toute la journée, c'est super d'être un chat, yeah. Carré, tranche, ça n'a que des avantages, dormir toute la journée, c'est super d'être un chat, yeah.